avec Vincent Cassel en acteur principal. On va défoncer des bêtes sauvages, des bêtes poilues, des bêtes tout court et puis voilà. Voilà, on commence mal, ça débute sur une blague sans chute, mais ça va le faire. Re-salut à toi, mon Anto. Comment on va? Alors, on va aller... Église du Bon Calice, faubourg de la cathédrale, grande cathédrale. Donc, vieux Yarnam, c'est fait. Faubourg de la cathédrale, c'est fait. Je me souviens plus maintenant où est-ce que je dois me diriger. Parce que bois interdit, c'est fait aussi. Je vais bien, je vais commencer à boire ma tisane froide. Et bah, c'est très bien. Bonne tisane. Alors, je sais plus où j'en étais exactement, et j'avais tué Amelia. J'avais tué la grosse bestiole au vieux Yarnam. J'avais tué le monstre sur le pont. Forcément, j'ai tué Gandalf. Enfin, Gascogne. Et maintenant, je sais plus exactement où je dois aller en fait. Bois interdit, c'était bois interdit, je suis pas sûr. Crozerzer, ça va ta folie? Ouais, ouais, ça va au top. Je sais pas où je dois aller, les gars. Je suis paumé. Ah si, c'est bon, je me souviens maintenant où je dois aller. Va aller à Faubourg de la Cathédrale. Non, ce bois interdit, ça a déjà été fait. En fait, faut que j'aille à la porte. Tu sais, la porte où faut donner le mot de passe. Faut que j'aille là-bas. Ah bah, c'est les bois interdits, non? En fait, je sais plus. Yo Kaito, comment va? Ça fait zizir de te voir là. Le code, oui, c'est la porte, après tu l'ouvres et puis t'as le mec qui est déjà mort en fait derrière. Mais c'est les bois interdits, non? J'ai confondu, moi j'ai cru que c'était le dernier feu pour quand tu tues la sorcière là de Chernelwick. Je crois qu'on dit comme ça. Bah en fait c'était... J'étais bien parti en fait. C'est bien bois interdit, non? Salut Chloro. Alors oui, vous allez m'aider, mais pour l'instant on va pas pouvoir beaucoup s'aider. Tiens, je l'avais pas fouillé celui-là. On va pas beaucoup s'aider, je vais arriver à la zone et après on va se mettre un petit code pour s'entraider. Je vais essayer de me remettre un petit peu de lucidité, ça fera pas de mal. Oui, ouvre la porte, ouais. Tu vois, c'est ici que je voulais aller justement, mais je l'avais déjà ouvert, donc effectivement, c'est bois interdit. Oh! Bordel, je suis déjà tombé, c'est pas bien ça.
Ah oui, et c'est donc cette zone qui est un peu grande, effectivement. Yo, Tommy, ça fait plaisir de te voir là, putain. Je danse des lives et des nouvelles têtes. Et Eva, salut! J'ai pas fait gaffe. Ça fait plaisir de vous voir. T'as sorti le panaché, c'est bon? T'es prête? T'es bien? Sinon, c'est quoi ce jeu que je connais pas, à part qui ressemble beaucoup à Dark Souls 3, à moins que c'est Dark Souls 3? Oh mon dieu, non, alors c'est Dark Souls. C'est le hors-série des Souls. Alors, je réapprends un peu les touches, ne m'en voulez pas. Et ça va le faire gentiment. Voilà. On a. Faut réapprendre un peu les combos. Voilà, on est bien, on est bien. Fiole de sang, c'est bon. Là, on va vite se farcir celui-là. Ça, c'est fait. Ah oui, j'avais même débloqué le raccourci. Donc en fait, je suis pas trop mal. Je suis pas trop mal du tout. Et on a ce petit personnage ici. Alors qu'est-ce qu'il va me donner? Toujours sur Bloodborne, à ce que je vois. Oui, exactement, je me suis remis un petit peu sur Bloodborne. J'avais envie, j'aime bien ce jeu. Alors, n'oubliez pas de collaborer. Ah ouais, mais faut que je mette le serment, en fait. Dommage, je l'ai pas mis, je crois. Qui est le 1? Quoi? Toujours sur Bloodborne, machin. Qui est le 1? Comment ça, qui est le 1? Ah, je suis le premier à la l'air. J'ai pas compris. J'ai pas tout compris. WD, what? J'ai pas compris non plus. Commencez pas à faire des trucs que je pourrais pas comprendre. Hein. Nous deux ne faisons qu'un, non, je déconne. Bon, en vous attendant, ceux qui voudraient éventuellement me rejoindre. Dites-moi, et on va se mettre un petit mot de passe. Depuis le dernier live, je me le suis acheté. Ah bah t'as... Et du coup, alors, est-ce qu'il te plaît ou pas? Tu galères dessus ou pas? Je bug trop, je redémarre mon PC. Alors, je joue pas sur PC, hein. Qu'on se le dise, je joue vraiment sur PlayStation 4. Donc, si vous pensez me rejoindre sur PC, c'est raté, les gars. Je joue sur PS4 et je crois pas que ce soit mélangé. Si, si, ouais, c'est un bon jeu. Franchement, il est top. Moi, j'adore, je l'ai ressorti, je l'ai déjà fini. Pff, je compte même plus toutes les fois où je l'ai fini. Et vraiment. Oh là, le con. Yo, Rocket, je suis un pingouin, moi, je suis fou, alors. Bon, où en êtes-vous? Skies et Rocket. Rocket, toi, je sais, t'es sur PlayStation 4. Et toi, Skies, t'es sur PlayStation 4 aussi ou pas? Tu m'attends? Très bien. Alors, on va aller du coup dans les réglages, réseau et mot de passe. On va donc le modifier. Et on va mettre Zerzer. Voilà, le mot de passe, c'est Zerzer. Comme ça, ceux qui voudront me rejoindre, eh ben, vous mettez Zerzer en mot de passe. Comme ça, quand je vais vouloir vous invoquer, on va pouvoir se retrouver. Là, là. Je veux du panaché 1-0. On va en utiliser 5. Hop. Et on va sonner la grosse cloche.
Ouais, vraiment, Bloodborne, il est sympa. En plus, je me suis fait un bonhomme, il ressemble à Vincent Cassel, regardez. Pour ceux qui connaissent, Doberman. La même tronche de fou furieux. Il déchique des cucus, celui-là. Tommy, t'es sur PlayStation 4 ou t'es sur PC? Ah oui, c'est vrai, là je suis en train de faire concurrence à Bahama, bah oui, effectivement. Ah, découverte du son d'un petit carillon, ma connexion me permet pas de regarder ton live, mon zerzer, je verrai ta réponse que demain, désolé. Je verrai ta réponse que demain. Si, si, alors, est-ce que c'est Skies qui est là actuellement ou pas? Je pense que c'est toi, Skies, ou c'est Rocket. Mais je pense que Rocket, son pseudo, ça va être Rocket. Moi non plus. Je joue sur PS4. D'accord. Rocket, t'es toujours parmi nous ou tu t'es barré? Oh, ma jolie princesse. Ciao, ciao, Anto, ça m'a fait plaisir que tu passes. Hésite pas à repasser plus tard si ta connexion est un peu moins capricieuse. Est-ce qu'on peut se parler sans avoir à être dans une partie dans Bloodborne ou pas du tout? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pas le mec qui se la pète avec ses tenues, ses gros canons et tout, gros. Tu peux pas t'aider, j'ai la tête à Vincent Cassel. Toi, tu peux toujours cacher ta sale tronche derrière des chapeaux. Moi, j'ai pas besoin. Oh, Rocket, t'es où? Vas-y, bah vous savez quoi? Pour le peu qui sont là, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Franchement, je suis pas pour les raids, mais vu que j'apprécie beaucoup Bahama, si vous pouvez tous aller voir le live de Bahama Gamu, celui dont je vous ai parlé, B-A-H-A-M-A, G-A-M-U, donc Bahama Gamu, donc séparé Bahama d'un côté et Gamu de l'autre. Il est en live, vous allez voir son live et vous mettez un petit zerzer te kiffe, tu vois. Vous mettez ce que vous voulez, mais vous mettez zerzer dedans, comme ça il sait que ça vient de la, que ça vient de la chaîne. Si vous êtes partant. Je pourrais pas le voir parce que là j'ai pas mon PC à côté, enfin j'ai pas mon ordi à côté. Mais je pense que ça serait sympa, tu vois. Et vous me direz, là, vous me direz sa réaction. Bon, on est parti. Vas-y, viens, Trizen. Let's go, baby. Ça suffit maintenant. Je sais pas où il est, Rocket. Je crois qu'il a quitté de manière inopinée. Il a dû se dire, je vais aller jouer avec Zerzer. Il a oublié son PC. Il a oublié qu'on n'était pas amis sur le PSN. Non, je t'ai oublié. Putain, je t'ai oublié, mon pauvre. Hashtag Zerzer. Allez voir Bahama, n'hésitez pas à vous abonner en tous les cas. Pas pour dire de vous abonner, mais si ça vous plaît, si vous aimez les lives, parce qu'il fait des lives tous les soirs et c'est vraiment sympa. Vous pouvez aller checker. Si, si, à cela. Je sais pas si t'as entendu, si t'étais là avant. Je sais pas. Et là, tu vas me dire, mais gros, je suis là depuis le début et tout, tu me rôdes même pas, gros bâtard. Mais tu peux aller voir sur le live de Bahama Gamu, lui dire un petit hashtag Zerzer, un petit hashtag... Ah, vas-y, hashtag Zerzer des familles, pour lui faire le coucou.
Ok, ici ça passe. Pièce étincelante. Si ça passe toujours ici, il y a plein d'objets ici, je m'en souviens. J'étais pas là. Alors tu vas sur Bahamagamu, B-A-H-A-M-A, espace G-A-M-U, il est en live, c'est un bon poteau qui fait des lives super sympas. Tu vas lui faire un petit coucou avec un hashtag Zerzer, ça lui fera plaisir. Si, si, t'es au top. Je crois que je suis la seule à l'avoir fait. Non, je crois qu'il y a eu un petit peu de mouvement. Mais peut-être qu'ils vont venir après, je sais pas. Peut-être que... Ouais, je sais pas. Mais ça peut être sympa étant donné que, effectivement, oui, je fais un live en même temps que lui. J'avais même pas pensé à ça. Comme ça, ça permet de se faire des petits coucous un petit peu. Et ça permet du coup, ça vous permet de le connaître. Ce qui est pas plus mal. Ok, pour l'instant c'est trop facile, Zerzer sur bas. Ah oui, ok. C'est bon, j'avais déjà lu. Pour toi mon Zerzer, et maintenant appelle-moi aussi l'expert du horror game. Ça marche, oh grand expert du horror game. Tu vas bientôt dépasser la place de Maître Malou dans mes mentors. Fais moins de bruit, serpent. Je suis ton spécialiste, c'est moi qui t'en offre et qui t'en propose. Enfin, pour l'instant, tu m'as rien offert, gros, j'attends. Je rigole. T'inquiète. C'était une petite boutade. J'ai mis la clé Wi-Fi dans le congèle et ça fonctionne légèrement mieux maintenant. Elle avait surchauffé. Satanée clé Wi-Fi, bordel. Ah, il y a un petit item ici que j'allais oublier. Allez, on continue dans cet enfer. Viens là, gros cochon. Attends, en vrai, j'ai l'impression que le jeu, il est beaucoup plus facile qu'au début. Je sais pas pourquoi. C'est fait, il m'a reconnu, Zerzer. Si, si. Serpent à 3... Hein, à 300 fesses. Boutanette. Quoi? Serpent à 300 fesses. Hein, bon. J'ai pas tout compris. Alors ici, alors là-bas, c'est le boss. Et ici, il y a la petite zone, je crois. Je regarde ton live à 144p, mais ta voix me suffit, mon Zerzer. Si, si, bah ça c'est beau. C'est ça l'amour, tu vois. Tu vois, t'as Tryzen qui joue un peu à la bourrin avec sa grosse épée, puis t'as moi qui joue en finesse avec mes petits scalpels, tel un chirurgien. Je défonce des culs. Mais on est reparti au début ? Mais non. C'est où ici déjà ? Viens là, gros. Je sais plus ce qu'il y a ici. La douce voix de Zerzer, derrière l'expert en la matière. Et ici, on arrive où? Et puis, il y a la sonnette de cloche. Ok, d'accord, bah je me souvenais plus. Très bien, ok. Je me souvenais plus qu'il y avait un petit passage ici. Alors, salut à toi, Amy. Alors, Resident Evil 7, pour l'instant, il n'y a plus rien à voir. Les développeurs ont dit qu'on pouvait en sortir vivant. Mais on pourra en sortir vivant. En fait, on peut pas encore. On pourra en sortir vivant dans une prochaine mise à jour. Ce que j'ai mis en annotation devant mes vidéos, en fait. Et pour l'instant, il n'y a plus rien à voir. On a tout regardé, on a tout découvert. Il y a certains indices qui peuvent nous éclairer par rapport face au doigt. Et effectivement, le doigt peut bouger, mais il indique pas forcément quelque chose. Donc, faut attendre la mage qui devrait normalement arriver courant de ce mois-ci. Tu as des niveaux sur le jeu? Tu as des niveaux sur le jeu? Comment ça, j'ai des niveaux sur le jeu? Oui, il y a des niveaux dans Bloodborne.
Il y a des niveaux. Il y a des niveaux, mais là... Oh, gros. Sauve-moi! Mais non, mais tu peux pas mourir maintenant, Zerzer, mais tu fais quoi? Bah, Matt fait plein de bisous, si, il est au top. Moi aussi, je lui fais des bisous. Moi aussi, je lui fais des bisouilles. Je crois que je suis niveau... Je sais pas, je vais regarder, je vais te dire ça. Putain, je suis mort comme un bleu. Je suis mort face à l'ennemi le plus faible de Bloodborne. C'est un truc de fou. Je me bats contre des gros cochons, des hommes serpents. Et c'est des espèces de vieillitis merdiques qui me défoncent. Yo, Véro, comment tu vas? Vous avez eu mon petit coucou, je suis désolé, j'ai pas mon ordi, je peux pas aller voir le live de bas, mais voilà, j'ai dit à mes abonnés qui me regardent d'aller vous faire un coucou. Parce que j'y tiens. si, il est top. Bah, j'espère que vous, votre live se passe bien. Vous êtes sur quoi? Toujours sur Batman? La suite? Ah oui, toujours sur Batman, je vois, je l'ai vu dans... Il est en train de jouer. Alors du coup, bois interdit, voilà. On est des petits messagers. Putain, je suis déçu d'être mort là contre ces espèces de saloperies. Putain, c'est... C'est vraiment être fébrile, ça c'est vraiment un truc de fragile. La mise à jour, elle sera annoncée. Alors, je pense que la mise à jour sera annoncée. Après, il y a eu comme quoi, éventuellement septembre. Courant septembre, la mise à jour. Donc, voilà. Ah, le dernier live sur Batman. Pourquoi? C'est la fin du jeu, du coup, après? Ou bien les gens, on nous marre. J'ai pas l'impression que c'est la fin du jeu. Il y a encore plein de petites quêtes. Enfin, il y avait plein de petites quêtes encore hier à finir. Ouais, il finit et les gens en ont marre. D'accord, ok. Bon, bah... Tu sais sur quoi... T'arrives à nous donner un petit piston, là? Sur quoi vous allez... Sur quoi vous allez faire demain? Ah, d'accord, ok, ouais. Bon, après, Batman, c'est un jeu qui est long. C'est difficile de garder les gens en haleine, disons, parce que voilà, Batman, c'est pas un petit jeu à la PSN, c'est un jeu qui prend du temps, de l'investissement, donc au bout d'un moment, je pense qu'effectivement, les gens se lassent un petit peu, malheureusement. Mais heureusement, on ne se lasse pas de Manu. Inside, samedi, et deux axes à partir de lundi. Oh ben non, c'est moi qui voulais faire Inside, bon sang. Et 2X à partir de lundi. Ok, bah sympa. Bah alors pour 2X, ouais. Inside, je viendrai pas voir parce que j'ai pas envie de me spoil. J'ai fait un effort jusqu'à maintenant pour ne pas me spoil. Et par contre, 2X volontiers. Je pense que je passerai faire un petit coucou pour 2X. Je lui passerai le message, alors au top, bah t'assure, et puis peut-être que je passerai ce soir, je sais pas à quelle heure je vais finir, mais je vais peut-être pas finir très très tôt, parce que du coup j'ai envie de jouer. Là ce soir je suis plus ou moins tranquille, tant que l'internet me le permet, donc je pense que je vais en profiter. C'est où déjà le château ici? Je suis perdu, gros. Sky, il faut que tu m'aides. Si, Anto, ça fait plaisir. J'ai hâte aussi de pouvoir vous proposer ça. Bon bah c'est pas grave, on y va en speedrun, je sais plus où fallait aller pour le deuxième ascenseur. C'est pas grave, on va y aller comme ça, je crois qu'on a l'air plutôt bien parti, non? Ah bah tiens, là il y a un gros serpent. Resident Evil 7, c'est du troll en fait. Non, c'est pas du troll, parce que... C'est pas du troll parce que ils ont dit que normalement il y aurait une mise à jour avec tout l'engouement qu'il y a eu autour de cette démo. Le temps investi par les gens, et puis bah ça a super bien marché, hein. Les gens sont devenus quasiment fans d'une démo.
un peu à la Pity. Je pense qu'ils se sont dit, on est parti sur un succès à la Pity, faut pas lâcher le morceau maintenant. Et du coup, je pense qu'ils vont faire effectivement cette mage. Il est aussi fan de Bloodborne. Et Abzu, t'en penses quoi? Alors Abzu, c'est un peu la journée, c'est pas forcément les jeux qui m'intéressent le plus. Je pense que je vais partir sur d'autres jeux qu'Abzu. Mais je sais que Bahama a fait sur Abzu, il me semble, si je me trompe pas, Véro, est-ce que tu peux me confirmer que Bahama a bien fait sur Abzu? Il me semble, hein. Et si effectivement Bahama a fait un live sur Abzu, eh ben je vous conseille d'aller voir sur la chaîne de Bahama. Oh non, je dois partir, désolé, bonne soirée Zerzer et tout le monde. Bon bah ciao Eva, c'est pas grave. On se retrouvera une prochaine fois, un nouveau jour, soit sur une vidéo travaillée, soit sur un live. En tous les cas, c'était sympa d'être passé, ça m'a fait plaisir de te voir. Je te dis à tout bientôt, une très très bonne soirée. Tu es mon seul amour, Zerzer, je te fais pas cocu. Mais c'est pas me faire cocu, c'est absolument pas une... comment dire... Je prends pas Bahama pour un concurrent, comme je prends pas d'autres youtubeurs d'ailleurs pour un concurrent. Faites absolument ce que vous voulez, il n'y a pas de clan, mais pour Abzu, s'il y en a qui sont intéressés, parce que Bahama fait énormément de jeux, il en a déjà fait beaucoup beaucoup. Et du coup, il y a beaucoup de jeux que moi j'ai pas fait, que je compte pas faire, que lui a fait. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez y aller. Là, je retourne au début en fait, j'ai tourné en rond. Je rêve ou j'ai tourné en rond? J'ai tourné en rond, gros. Mais pourquoi tu me dis pas? Viens, je te suis. Viens, Trey, je te suis, vas-y. Vas-y. Non, Yamé, je te reste fidèle, ouais, mais c'est pas bien ça. Après, les autres youtubeurs, ils vont pas m'aimer si tous mes abonnés ils disent ça. Après, ils vont dire, oh, Zerzer, il garde toute la cam pour lui. Nous, on peut pas avoir l'argent de ses abonnés. Patati patou. À vous. Ça marche, Chloro. Et on se tient au courant par téléphone aussi pour le sac de jeu. Je m'en fous des autres youtubeurs, moi. D'accord, très bien. Bah écoute, c'est gentil. J'apprécie. Non, je veux pas mourir. Oh, putain, j'ai cru que j'y repassais. Oh là là. Je vais avoir une crise cardiaque. Bon, je me suis abonné, je retourne chez Manu, bon live, bisous. Alors bisous Véro, mais avant que tu partes, si t'arrives à entendre ce message, dis-moi si Bahama a fait Abzu s'il te plaît, pour que les abonnés, s'ils sont intéressés, puissent aller le voir sur sa chaîne. Si ça peut aussi filer un petit coup de pouce à bas, ça fait toujours plaisir. Yo, let's go, comment tu vas? Hey, mais ne fais pas des fois Bahama, c'était pas mon but du tout. C'était pas mon but du tout, mais ça me fait quand même plaisir de te voir ici. J'espère que ta soirée se passe bien, que tu prends du plaisir. Fiole de sang... Oui, il l'a fait. Ok, alors pour tous les gens qui regarderaient le live et les abonnés qui seraient susceptibles de voir cette rediffusion par la suite, si vous voulez voir le jeu Abzu, vous pouvez aller voir la chaîne de Bahama Gamu. Il l'a fait, c'est un très bon youtubeur, un très bon streamer, il fait des lives tous les soirs, c'est très sympa. Enfin, je lui fais beaucoup trop de pubs, je lui ai demandé de l'argent, tiens, Bahama. Hein, je lui ai demandé des sous, je crois que ça commence à suffire. Let's go, fais attention, ça va, merci, et toi, Zéro, ouais, ça va au top. Tu vois, je suis content, j'ai réemménagé chez moi, en fait, et j'avais peur que l'internet soit un peu défectueux et de ne pas pouvoir... vous faire profiter d'autres lives, mais non, il marche bien et j'ai l'impression que je peux vous proposer de la qualité, donc ça fait toujours autant plaisir de vous voir. Fiole de sang. Des bisous Véro. Merci d'être passé, d'avoir passé le petit message. T'es top. Zéro, t'inquiète, lol, Bahama est sur la télé et Zéro sur mon tel. Ah! Toi, t'es un mec multitâche, alpha tout, calpha tout. Tu fais tout, t'es polyvalent, c'est ce qu'il faut, ça. Allez, on est bientôt parti pour le boss. Je sais même pas si je vais réussir, mais je pense que je vais réussir quand même. J'ai assez d'expérience maintenant dans le jeu. Ah non, ça, c'est la petite cloche. Appelez Henry. Eh ben, on appelle Henry, c'est parti. Viens, mon petit poteau, Henry.
Joueras-tu à Final Fantasy XII quand il sortira sur PC? 12 ? 12, mais tu dis la remasterisation? Alors non, je pense pas rejouer à Final Fantasy XII en remasterisé, parce que c'est pour moi pas le meilleur Final Fantasy, mais Final Fantasy XV, par contre, je pense que je vais l'acheter presque day one. J'ai très envie de jouer à Final Fantasy XV, c'est un jeu que... J'ai vraiment été bercé dans mon enfance, en fait, par les Final Fantasy. J'ai un petit peu lâché les derniers jeux sortis. Je me suis arrêté au 12. Et j'ai très envie de jouer au 15, parce qu'en essayant la démo, j'ai vraiment accroché. Il a l'air calme. C'est pas un jeu bourré d'action où t'es toujours... Je pense qu'il y aura un petit peu de stratégie. Il y aura beaucoup de belles images, de beaux scénarios, de jolis décors, des paysages. Enfin bref, la totale, ce que j'aime bien en jeu détente. Et je vous le proposerai en let's play, mais en let's play vraiment peu travaillé. Ça sera vraiment des let's play où je communiquerai, je parlerai. Mais je pense pas faire de coupures, ni de rire, ni rien. Je pense vraiment faire une part entre les vidéos travaillées, délire, où vraiment je rigole, je teste les jeux, ça part un peu en couille, et les let's play que je préfère plus sérieux. Voilà. Ouais, le 15, il m'a l'air super bien aussi. Ouf. Ok, ils sont chauds. Ok, vas-y, concentration.